Bonjour tout le monde, je m'appelle Mélissa Généreux, je suis médecin spécialiste en santé publique et aussi également professeure agrégée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. J'ai été directrice de santé publique pendant 6 ans dans la région de l'Estrie et maintenant j'exerce comme médecin conseil toujours dans la région de l'Estrie. J'ai aussi eu la chance de faire plusieurs travaux de recherche, notamment sur les impacts psychosociaux de la pandémie et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, bonjour. Pour cette première partie, on va vraiment décrire qu'est-ce que c'est cette enquête sur la santé psychologique qui a été menée chez les 12 à 25 ans au Québec. Et peut-être de façon plus générale, à travers les différentes capsules que vous allez pouvoir visionner, on poursuit 3 grands objectifs. Donc, le premier, c'est de vous permettre d'identifier certains éléments d'état psychologique de nos jeunes au Québec en contexte pandémique. Ensuite, on va regarder quelques diapositives, quelques résultats sur la consommation d'alcool et de cannabis chez les jeunes de 12-25 ans. Et finalement, on va aussi avoir une capsule qui parle des pratiques de rétablissement en milieu scolaire et communautaire, entre autres basées sur ce que les jeunes avaient à nous dire à ce sujet-là. Donc, vraiment pour l'enquête, je n'irai pas avec des grands détails méthodologiques, mais au moins pour que vous sachiez un peu de où est-ce que ça vient, cette idée-là. Il faut savoir que, bon, je travaille à la Direction de santé publique de l'Estrie et à chaque mois, on accueille des externes en médecine qui viennent faire un stage de santé publique. Et c'est comme rendu un peu une tradition dans ma région, je vous dirais. Depuis janvier 2020, on fait une enquête auprès des jeunes de la région. À propos de différents sujets, mais avec toujours une composante centrale autour de la santé mentale. Donc, en janvier 2020, vous comprenez qu'on ne savait pas qu'il allait y avoir une pandémie. On a exploré quelques enjeux autour de la santé mentale et ça portait seulement sur l'Estrie auprès des jeunes du secondaire. Et là, en janvier 2021, on s'est dit, ah tiens, avec un nouveau groupe d'externes, ça serait bien de reprendre certaines de ces questions-là, toujours chez les jeunes au secondaire en Estrie. Et on a étendu aux jeunes du cégep et de l'université de ma région. Et il y a la région de la Mauricie-Centre-du-Québec qui a décidé aussi de se joindre à nous. Donc, on a étendu à près de 16 000 jeunes qui ont répondu. Et janvier 2022, bien évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de la même opportunité de répéter l'enquête une troisième fois. Et cette fois-ci, ça a été étendu aux Laurentides et à la région de la Montérégie. Donc, on s'est retrouvé à avoir un très grand échantillon dont je pourrais vous parler plus tard. Et au final, je pense qu'un des succès derrière cette enquête-là, c'est qu'on parle d'une enquête qui a été réalisée avec le partenariat de plein de personnes. Donc, évidemment, les chercheurs de l'Université de Sherbrooke, les praticiens des différentes directions régionales de santé publique là, des 4 régions impliquées, les partenaires pour la réussite éducative de chacune de ces régions-là et évidemment, tous les établissements d'enseignement qui ont participé, là, sans qui l'enquête n'aurait pas été possible. Donc, en quelques mots, cette enquête-là, comment elle a été réalisée, celle de 2022, là, celle sur laquelle je vais mettre l'accent aujourd'hui, c'est que le sondage a été réalisé du 17 janvier au 4 février 2022. Donc, c'est quand même assez récent. Ensuite, on parle d'une enquête qui se fait en ligne. Donc, on a fait de type un peu Lyme Survey, donc une enquête en ligne très courte, une durée de 10 minutes, toujours disponible soit en français, soit en anglais. Et les critères d'inclusion pour participer, c'était d'être un étudiant ou un élève du secondaire, école professionnelle, cégep ou université des 4 régions participantes. Il fallait être âgé entre 12 et 25 ans, donc les étudiants d'université de 26 ans ou plus ne pouvaient pas répondre. Et évidemment, tout ça se faisait sur une base volontaire anonyme. Et la plupart du temps, ça se faisait pendant les heures de cours, là, surtout pour les écoles secondaires, alors que pour les cégeps universités, c'est toujours un petit peu plus difficile d'imposer ça sur les heures de cours. Donc, c'est plutôt par un envoi massif courriel que les jeunes ont été invités à répondre. Et notre questionnaire est quand même assez large. Là, celui de 2022 couvre 6 blocs différents. Je les nommerai pas tous, mais par souci de concision aujourd'hui, puis pour être un peu plus aligné avec les thèmes qui sont couverts par la formation, on va vraiment mettre l'accent sur la santé psychologique, sur la consommation de substances et, enjeu super important, les impacts de la pandémie, mais surtout les pratiques de rétablissement que nous ont souligné les jeunes, les éléments qui pourraient les aider à aller mieux au cours des 12 prochains mois.
Et par rapport à l'échantillon, je vous disais que c'est un très gros échantillon qu'on a pu avoir cette année, en 2022. On parle quand même de 33 000 jeunes âgés entre 12 et 25 ans des quatre régions que j'ai nommées tantôt. Il faut savoir que la plus grande contribution dans le 33 000, c'est vraiment au secondaire. Donc, juste au secondaire, on est à près de 30 000 jeunes qui ont participé, autant des écoles publiques que des écoles privées au niveau secondaire. On a aussi de la formation générale aux adultes ou formation professionnelle, quelques élèves qui ont répondu, cégep, quand même 14 cégeps qui ont participé et des universités, mais je tiens quand même à souligner qu'au niveau des cégeps et universités, les taux de réponse étaient plus faibles. Donc, vous comprenez qu'une université avec 20 000 étudiants ou étudiantes, on pouvait avoir des 10-15% de jeunes qui répondaient, alors que dans les écoles secondaires, on avait souvent des taux de réponse de 50, 60, 70%, ce qui rend la qualité de l'estimé un petit peu plus élevée. Donc, c'est ce qui met fin à cette section et puis on pourra ensuite aller vers ce qu'on a observé au niveau de la santé psychologique. Alors, nous voici rendus à la partie qui nous intéresse le plus, à savoir qu'est-ce qu'on a observé au niveau de la santé psychologique chez nos 33 000 jeunes qui ont été sondés en 2022. Donc, premier élément, la santé mentale en général. Donc, on a demandé aux jeunes comment évalues-tu ta santé mentale en général, comment tu la perçois, et on pouvait dire excellent, très bon, bon, passable ou mauvais. Donc, si je regroupe les jeunes qui ont dit passable ou mauvais, donc c'est-à-dire une santé mentale so-so, là, on voit que, et là, je me limite vraiment à la région de l'Estrie parce que comme j'ai dit d'entrée de jeu, on a mesuré en 2020, 2021 et 2022 cette question-là auprès des jeunes secondaires en Estrie. Donc, si je me concentre sur cette région-là et seulement les jeunes secondaires pour voir un peu comment ça a pu évoluer au fil du temps, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en janvier 2020, juste avant la pandémie, on était là, à l'échelle de tout le secondaire à 11 % des jeunes qui nous disaient « ma santé mentale, elle est passable ou mauvaise ». Et là, whoops, un an après, janvier 2021, après un an de pandémie dans le corps, ça a monté à 30 % Ça a triplé pratiquement. Et on voit qu'en janvier 2022, il n'y avait pas vraiment d'amélioration. On était toujours autour là, du 30 % donc 28 % pour être plus précis. Et on pourrait se dire c'est peut-être juste l'effet des jeunes de secondaire 4 ou 5, par exemple, mais non. On voit que peu importe le degré de secondaire, le niveau où on est, cette augmentation-là assez considérable dans le temps, ou cette détérioration-là de la santé mentale, c'est vraiment observé à tous les niveaux du secondaire. Ensuite, on a voulu mesurer les symptômes d'anxiété ou les symptômes de dépression à proprement parler. Et les questions qu'on a posées, c'est vraiment un peu comme les questions qu'un médecin vous demanderait en clinique pour essayer de voir si on vous pose le diagnostic de troubles d'anxiété généralisée ou de dépression majeure. Donc ici, évidemment, ce ne sont pas des diagnostics, mais quand je vous présente des pourcentages, ça correspond à des pourcentages de jeunes qui avaient quand même un cumul de plusieurs symptômes, si bien que ça pourrait s'apparenter à un trouble d'anxiété probable ou une dépression probable. Et là, les chiffres que je vais vous montrer ne sont vraiment pas roses. Ce qu'on voit là, quand on décompose le pourcentage de jeunes qui ont une anxiété probable ou une dépression probable ou anxiété ou dépression, l'un ou l'autre, on voit que ça part quand même déjà assez élevé à l'âge de 12 ans. On est autour de à peu près 20 % d'anxiété, un petit peu plus de dépression, 25 % et 30 % de jeunes qui ont soit de l'anxiété ou de la dépression, ou du moins des symptômes assez modérés ou sévères. Et ce qu'on voit, c'est que ça se met à augmenter à 13 ans, 14 ans, 15 ans, si bien qu'à l'âge de 16 ans, et à partir de l'âge de 16 ans, c'est la moitié ou même plus que la moitié des jeunes qui rapportent un cumul de symptômes, soit d'anxiété ou de dépression, qu'on peut qualifier modéré à sévère. Donc, c'est très, très élevé et je peux comprendre que ça vous perturbe. En tout cas, moi, c'est l'effet que ça me fait aussi. Et maintenant, on a voulu voir, bon, oui, selon l'âge, ça semble augmenter entre l'âge de 12 et 16 ans, mais est-ce qu'il y a des différences selon le genre? Et on est quand même assez chanceux parce que dans cette enquête-là, le fait qu'on avait 33 000 jeunes au départ, ben on a pu demander est-ce que tu t'identifies au genre féminin, au genre masculin ou à une autre identité de genre? Et on s'est retrouvé à avoir quand même 600 jeunes qui s'identifiaient comme une autre identité de genre. Et vous allez voir, le constat est quand même assez alarmant à cet égard-là parce que les jeunes filles
comparativement aux jeunes garçons, et les personnes qui ne s'identifient ni comme une fille ou ni comme un garçon sont définitivement plus à risque de présenter des symptômes soit anxieux ou dépressifs au fil du temps. Ben, en fait, en janvier 2022, donc je peux vous donner l'exemple, chez les autres identités de genre, on a 78 % d'entre eux qui rapportent avoir des symptômes modérés à sévères d'anxiété ou de dépression. C'est vraiment très, très élevé. Et maintenant, pour la question des idées noires récentes, ça, c'est une question spécifique, à peu près mot pour mot. On demande aux gens, au cours des deux dernières semaines, est-ce que tu as pensé que tu serais mieux mort ou est-ce que tu as pensé à te faire du mal? Donc, ce n'est pas nécessairement des idées suicidaires, mais c'est quand même ce qu'on peut qualifier d'idées noires, même de pensées de mort récentes. Et là, encore une fois, c'est à tomber en bas de sa chaise parce qu'on voit que c'est un jeune sur quatre, tout âge confondu, qui nous dit avoir pensé qu'il serait mieux mort dans les deux dernières semaines. Et ça monte à 66 % chez nos jeunes qui ne s'identifient ni comme un garçon ni comme une fille. Et encore une fois, on voit aussi des bons écarts entre les garçons et les filles. Cette évolution-là des idées noires, c'est peut-être ce qui m'apeure un peu plus parce que si je reviens aux régions qui ont participé à la fois en 2021 et en 2022, donc ici, on parle de l'Estrie et MCQ, ce qui est Mauricie, Centre du Québec, on voit que chez nos jeunes du secondaire 1 au secondaire 5 ou encore chez nos jeunes du cégep et à l'université, on voit qu'il y a eu une petite tendance à la hausse de la proportion de jeunes qui disent qu'ils ont pensé qu'ils seraient mieux morts dans les deux dernières semaines. C'est pas une hausse incroyablement élevé, mais toute hausse en ce sens-là par rapport aux idées noires est certainement préoccupante. Donc, c'est à suivre de près. On voit, là, par exemple, au cégep, là, c'est peut-être là où l'écart est le plus marqué, qu'on avait 20 % des jeunes qui présentaient des idées noires récentes en 2021 et ça a monté à 29 % en 2022. Et on pourrait se demander, est-ce que justement à l'Estrie, la Mauricie, Centre du Québec, est-ce que ce sont des régions peut-être différentes des Laurentides ou de la Montérégie? Et à cette question, je vous dirais que oui, mais pas tant que ça. Dans le sens qu'on le regarde sous l'angle de la perception de la santé mentale en général, qu'on le regarde sous l'angle des symptômes d'anxiété ou de dépression ou encore des idées noires récentes, on voit que peu importe dans quelle région où on se trouve, on est à peu près à la même hauteur là, de problématiques mesurées, avec la petite nuance qu'en Estrie, on voit qu'il y a un petit peu plus d'indications de moins bonne santé mentale, alors que, et en Montérégie aussi, alors qu'en Mauricie, Centre du Québec, on voit que, somme toute, l'état psychologique semble un petit peu plus favorable, quoiqu'il y a encore des défis, à mon avis, à le faire. Donc, je retiendrai que non, on ne l'a pas mesuré à Montréal, Capitale-Nationale ou peu importe, mais avec ces quatre régions-là qui représentent quand même bien une bonne partie du Québec, on voit qu'il y a tout à penser que la situation qu'on observe dans ces régions-là est probablement assez similaire dans les autres régions. Donc, la prochaine section portera sur la consommation de substances. Donc, rebonjour, on est rendu au bloc sur la consommation de substances. Vous allez voir, c'est un bloc qui est quand même un peu plus court. Là, je pense que le sujet va être aussi abordé dans d'autres capsules que la mienne, mais je voulais quand même vous partager certains constats assez intéressants qu'on a pu faire à cet égard-là. Donc, on a posé la question un peu classique qu'on pose dans les grandes enquêtes de santé sur la consommation excessive d'alcool. Ça, comment on le définit? C'est de demander aux jeunes, dans la dernière année, là, à quelle fréquence ça t'est arrivé de consommer au moins 5 verres en une occasion, que ce soit bière, vin, spiritueux. Et lorsqu'on a au moins 5 consommations en une occasion, on considère que c'est une consommation excessive. Et là, moi, ce que je vous présente, c'est le pourcentage de jeunes qui ont eu ce type de consommation excessive-là au moins une fois par mois au cours des 12 derniers mois. Donc, on voit qu'à l'âge de 12 ans, c'est pas encore très, très populaire, fort heureusement. Et on voit que, oups, rendu à 14-15 ans, ça se met à monter pas mal pour atteindre des niveaux qui dépassent les 30 % à partir de l'âge de 16 ans. Et ça reste élevé, en tout cas, dans notre enquête, au moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Et on a voulu voir, est-ce que ces chiffres-là, c'est ce à quoi on se serait attendu avant la pandémie? Et je vous dirais, pas vraiment. Lorsqu'on regarde des enquêtes qui ont été faites, pas mes enquêtes à moi, mais des enquêtes populationnelles faites dans d'autres contextes avant la pandémie, à l'échelle du secondaire, à cette question-là, là, de la fréquence de consommation excessive d'alcool, c'était 7 % des jeunes qui disaient consommer de façon excessive au moins une fois par mois en 2017-2018 à l'échelle du Québec. Et là, dans notre enquête
qui sont, je rappelle, seulement pour 4 régions, on est à 18 % si je fais la moyenne de tous nos jeunes au secondaire. Donc, ça semble avoir plus que doublé avec toute la prudence là, qui est de mise vu qu'on compare deux enquêtes qui ne sont pas tout à fait pareilles. Mais c'est quand même un petit indice. Puis pour ce qui est des jeunes aux études supérieures, cégep, université, on voit que à travers les mêmes enquêtes, c'était 34 % des jeunes qui rapportaient avoir une consommation excessive au moins une fois par mois en 2017-2018. Et là, c'est à 37 %. Donc, selon nos estimés, là, l'écart serait pas si important au cégep université, mais c'est vraiment plus au secondaire là, qui semble avoir eu une hausse importante. On a aussi regardé évidemment la question du cannabis. Donc là, on est moins dans la consommation excessive, mais plus la consommation tout court de cannabis. Et je rajoute aussi l'alcool. Et cette fois-ci, je vous le présente selon le genre. Donc, comme on disait tantôt, on pouvait le genre être identifié comme un garçon, comme une fille ou comme une autre identité de genre. Et ce qu'on voit ici, on est vraiment chez nos jeunes du secondaire ou des écoles professionnelles. Donc, j'ai exclu les gens du cégep et de l'université. Et ce qu'on voit, c'est que encore une fois, il y a un bon écart selon le genre, là, et malheureusement, toujours au détriment des jeunes qui s'identifient comme étant ni un garçon ni une fille. On voit que ces jeunes-là sont plus enclins à rapporter une consommation excessive d'alcool, mais aussi plus enclins à rapporter avoir consommé du cannabis au moins une fois par mois dans les 12 derniers mois. Par contre, si je fais exclusion un peu de ce groupe-là, puis je regarde seulement chez les filles et les garçons, au niveau du cannabis, on voit que les pourcentages sont plus de 6-7 % et en moyenne, si je compare avec des enquêtes qui avaient été réalisées avant la pandémie, on était autour de 5 %. Donc, vous voyez, est-ce qu'il y a une hausse? Peut-être, mais s'il y a quelque chose, selon nos estimés, ça serait une hausse relativement légère, quand même moins flagrante que ce qu'on peut observer pour la hausse de la consommation d'alcool. Et autre point que je trouve super important et qui est vraiment en lien avec la formation aujourd'hui, c'est le lien entre le fait de consommer de l'alcool et la santé mentale. Donc, ici, ce qu'on vous présente toujours chez nos jeunes au secondaire des 4 régions, c'est de voir, selon que nos jeunes avaient des symptômes d'anxiété ou de dépression qu'on qualifie de modérés à sévères, selon qu'ils en avaient ou qu'ils n'en avaient pas de ces symptômes-là, on voit que la propension à consommer de l'alcool de façon excessive est vraiment différente. Donc, elle est à peu près deux fois plus grande, cette consommation excessive d'alcool, chez les jeunes qui ont une moins bonne santé mentale, autrement dit. Au total, si je regarde les 5 années de secondaire, c'est 25 % des jeunes avec anxiété ou dépression qui rapportent avoir consommé de l'alcool de façon excessive au moins une fois par mois, contre 12 % chez ceux qui ont moins de symptômes d'anxiété ou de dépression. Donc, l'écart est quand même assez frappant. Et cet écart-là, on le remarque, qu'on soit en secondaire 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc, la dernière section va porter sur les pratiques de rétablissement et on fera aussi une petite conclusion. Donc, on est maintenant rendu à la dernière partie de la présentation. Donc, vous allez voir, c'est super intéressant. Puis, je pense que c'est une grande fierté de notre enquête. C'est qu'on a pris la peine de pas juste mesurer les problèmes que vivent les jeunes, mais aussi leur donner la parole à savoir qu'est-ce qui pourrait les aider à l'échelle de leur communauté ou à l'échelle de leur école. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à aller mieux dans la prochaine année? Et vous viendrez voir que ça va évidemment teinter nos conclusions et nos propres pistes de solutions. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié avec les écoles, avec les experts en santé, on a identifié 16 pratiques de rétablissement, qu'on appelle donc 16 pratiques qui pourraient améliorer le bien-être personnel dans les 12 prochains mois de nos jeunes. Je vous les présente pas toutes en ce moment à l'écran, mais ce qu'on a décidé de faire, c'est vous montrer les 5 qui ont coté le plus fort. Donc, ce qu'on demandait aux jeunes, c'était de dire, parmi ces 16 pratiques-là, sur une échelle de 1 à 5, à quel point cette pratique-là, à ton avis, t'aiderait à aller mieux? Donc, vous comprenez que ceux qui cotent 4 ou 5 sur 5 nous disent ça m'aiderait pas mal. Donc, c'est les 4 ou 5 sur 5 là, qu'on vous présente. Donc, la pratique numéro 1, je trouve ça super intéressant, puis ça lance un petit message ou matière à réflexion, c'est que les jeunes au secondaire ou au niveau des écoles professionnelles, les jeunes, ce qu'ils nous disent, c'est qu'avant tout, ils ont besoin de faire du sport, ils ont besoin d'avoir des activités sportives parascolaires. 54 % des jeunes nous ont dit que ça les aiderait. En deuxième position, pas d'avoir du soutien psychologique nécessairement, mais d'avoir du soutien pour leur cheminement. On en entend beaucoup parler, les jeunes ont été un peu déboussolés,
que fais-je, où vais-je, qui suis-je, tu sais, il y a eu beaucoup de bouleversements, entre autres à l'école, ça a bien bouleversé aussi les idées de ce qu'on veut faire plus tard. Donc, du soutien pour le cheminement professionnel, cheminement académique, 52%. Et bien, justement, le soutien académique arrive là, à ex aequo avec le soutien pour le cheminement. Donc, les jeunes ont besoin de ça. Soutien académique, c'était plutôt un soutien pour aider au niveau des performances scolaires, car on sait aussi que les jeunes sont nombreux à avoir accusé des difficultés d'apprentissage là, qui ont été empirées par la pandémie. Et en quatrième position, je trouve ça intéressant, on leur a demandé est-ce que ça pourrait aider d'avoir un coin de détente, comme un chill room dans ton école qui serait décoré, organisé par les jeunes eux-mêmes. Presque la moitié ont dit oui, ça serait super le fun. Et le dernier, ça me parle beaucoup, des liens significatifs. Il y a la moitié des jeunes ou à peu près qui nous disent de pouvoir retrouver, renouer des liens significatifs avec mes collègues, mes pairs, donc mes amis, mes professeurs, les adultes qui sont importants pour moi à l'école. Ça aussi, ça scorerait très fort. Ce que je retiens aussi, parce que vous voyez que j'ai une petite tendance à vouloir examiner les différences selon le genre, et je pense que c'est pertinent avec ce qu'on voit à l'écran, c'est que là, je vous ai sorti la colonne des 16 pratiques qu'on a examinées. On les a raccourcies, là, ils n'étaient pas formulés comme ça, un petit peu plus détaillés. Et pour chacune des 16 pratiques, on a regardé à quel point elles étaient souvent citées comme étant des bonnes pratiques selon qu'on parle à des garçons, à des filles ou à des personnes qui s'identifient comme ayant une autre identité de genre. Et je vous ai coloré en orange les 5 pratiques les plus populaires chez les garçons, les 5 les plus populaires chez les filles et même chose pour autre identité de genre. Et moi, ce que je retiens de ce tableau-là, c'est que, bon, je ne vous apprendrai pas grand-chose, mais les filles et les garçons, ça ne pense pas nécessairement pareil. Ce n'est pas nécessairement les mêmes choses qui sont importantes pour eux ou pour elles. Le sport était quand même identifié beaucoup par les deux genres, mais les garçons ont parlé non seulement du sport parascolaire, mais aussi du sport organisé un peu plus de façon informelle par les jeunes. Les garçons ont mis de l'avant le lien significatif comme étant dans les top priorités. Le cheminement scolaire professionnel, le cheminement académique, ça, c'est de ça que les garçons ont besoin, du moins dans leur perspective. Alors que chez les filles, là, c'est intéressant, le sport reste à l'honneur, mais le soutien psychosocial, un peu plus psychologique, individuel, oups, lui, il apparaît. Et il y a vraiment des bons écarts, là. Les garçons sont deux fois moins enclins à nommer le soutien psychologique individuel par rapport aux filles. Et on voit aussi que les espaces détente, chill room, là, c'est quelque chose de beaucoup plus populaire chez les filles que chez les garçons. Et dernier point, autre identité de genre. Ben, encore une fois, vous voyez des répartitions quand même assez différentes, qui s'apparentent un petit peu plus au profil qu'on voit chez les filles. Mais encore là, c'est une analyse assez simpliste, là. Je vous laisse faire vos propres conclusions vous-même. Donc, ce qu'on retient un petit peu de tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui en 5 points, la santé psychologique des jeunes, j'aimerais vous dire le contraire, mais il faut admettre qu'elle s'est détériorée depuis 2020. On a des preuves à l'appui. On voit aussi qu'à partir de l'âge de 16 ans, c'est au moins la moitié des jeunes qui vont présenter des symptômes d'anxiété ou de dépression qu'on qualifie de modérés à sévères, sans toutefois dire là, que c'est un diagnostic clinique. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est que le quart des jeunes dans notre enquête nous disent avoir eu des idées noires récentes, avoir pensé qu'ils seraient mieux morts. Et malheureusement, ce type d'idées-là semble à la hausse entre 2021 et 2022. On retiendra aussi que depuis le début de la pandémie, la consommation excessive d'alcool semble en hausse, selon nos estimés, et que finalement, bien, parmi tout ce qu'on peut proposer aux jeunes comme mesure à mettre dans les écoles ou dans la communauté, c'est le sport, le soutien, que ce soit académique, au cheminement ou psychosocial, et finalement la création de liens sociaux et la mise en place d'espaces physiques qui permettent la détente qui serait à prioriser. Et tout ça nous amène un peu à amalgamer tous ces apprentissages-là en se disant qu'au bout du compte, si on veut vraiment aider les jeunes, il faut sortir de la culture de dire tout passe par du soutien individuel. Il faut vraiment reconnaître que l'école et la communauté en général, ça peut agir et ça devrait agir beaucoup plus comme des réels milieux de vie qui n'ont pas juste une visée académique, entre autres, mais des milieux de vie qui viennent répondre aux besoins de base des jeunes, aux besoins de socialisation, aux besoins de se divertir, de faire du sport. Des milieux qui ont cette capacité-là de repérer rapidement des jeunes qui seraient à plus haut risque et de peut-être avoir une approche particulière ou plus adaptée. Je pense entre autres aux jeunes qui ont une autre identité de genre. Des milieux de vie qui vont se permettre d'oser, d'user de créativité pour favoriser le rétablissement de tout le monde. Donc, on voit avec autant de souffrance
de penser de sortir toujours les mêmes recettes, ça ne marchera pas. Il faut oser innover, faire des petites tentatives, des petits succès, puis partager, célébrer ces succès-là. Je pense qu'on l'a beaucoup testé, puis c'est vraiment ça, à mon avis, qui va créer le plus de bien. Et pour ça, qui dit créativité dit impliquer les jeunes. Moi, en tout cas, à chaque fois que je demande à un jeune, t'aurais-tu une idée, un slogan? Ils nous sortent des choses, puis ça en vient gênant pour moi-même de dire, mon Dieu, je suis plus dans le coup. Je sais pas de où est-ce qu'il y a eu cette idée-là, mais c'est merveilleux. Donc, donnons-leur la chance de s'exprimer, de s'impliquer en soi. Non seulement, ils vont avoir des meilleures idées que nous, plus adaptées à leurs réels besoins, mais en soi, le fait de s'exprimer et de s'impliquer, ça fait du bien. Rendre les environnements, on a vu autant sociaux, les environnements, le climat social, bienveillance, tout ça, mais le climat ou l'environnement physique qui va être favorable à la santé mentale, comme les chill rooms. Être conscient aussi que dans chacune des décisions ou chaque façon qu'on a de communiquer ou d'organiser ces salles de cours ou de prendre des décisions dans la communauté, chaque décision ou orientation peut avoir un impact sur la santé psychologique et le bien-être. Donc, il faut être conscient de ça. On a tous un rôle à jouer. Et finalement, de façon très, très transversale, renforcer cette culture-là de bienveillance qu'on devrait avoir en tout temps, comme je disais, dans les salles de cours, dans les rues, dans les espaces publics, de vouloir juste faire du bien à l'autre, de se mettre dans cette posture-là, ça peut faire, à mon avis, une grande différence pour la santé psychologique des jeunes. Donc, j'espère que vous avez apprécié et bonne continuité.